Ce modèle s'imprime facilement en quelques heures. Il est conçu sur la base de deux pièces qui se vissent pour limiter autant que possible les supports. Et du coup, il dispose d'un logement pour y mettre des petits objets ou des friandises à l'image d'un calendrier de l'Avent. Attention toutefois, le filament que vous utilisez n'est pas forcément adapté à un contact alimentaire, donc privilégiez les friandises emballées. Vous n'avez pas besoin de mettre des supports à l'intérieur de l'objet pour économiser en filament. J'en ai mis pour le timelapse pour me sécuriser car j'ai 24 fichiers imprimés d'ici au 24 décembre. Dans le fichier que vous pourrez télécharger depuis ma page Thingiverse, il y aura un modèle simple à suspendre et un modèle avec des chiffres qui varient de 1 à 24. Donc si vous voulez vraiment vous faire un calendrier de l'Avent, ce modèle est adapté pour vous. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers. Voilà, allez, à demain. À demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao ciao.